Maintenant, effectivement, et l'on a regardé les problématiques que nous vivons actuellement, et où est toute attention portée sur le canal sous rivière Massacre. On dirait que le pays a suspendu de fonctionner, et pas de problème qu'il faut faire encore, pas de problème Matissan Kafou, pas de problème Kouadebouquet, pas de problème Solino, pas de problème. Et but et charrier, pas de problème aucun d'autre côté, et l'ambassade ne joue pas existe encore, problème et malpasse, Jimani, font parisien, ça va exister encore. Et seul problème nous connaissons, c'est un problème canal sous rivière Massacre. Alors, nous trouvons son bail extraordinaire. Et moi-même, Jean-Pierre Bailly, citoyen engagé, votre serviteur, et m'appuyer solidarité ça. Moi-même classifié d'un élan patriotique, un réveil patriotique. Où est que tout le monde a parlé sur l'affaire Rivière Massacre. Diaspora en fin d'arroyo, l'APD, gen moun et Rivière Massacre dans le Nord-Est, et gen moun jouk dans Grandance qui a fait appui à ce qu'a fait dans le canal là. Et Diaspora, voyez l'argent, voyez. Donc tout le monde, donc pour moi-même, c'est comme si Dadou, c'est attention peuple haïtien que vous venez mener sur rivière, sur canal là. Tout le monde focus sur canal là. Si un monde ou pas d'accord avec question canal là, c'est l'homme à abattre. Sous d'accord ou bon monde. OK? Maintenant, élan patriotique ça très important, son réveil et me toujours penser que si haïtien était solidaire comme ça, dans plusieurs moments, dans plusieurs calfous, je pense que Haïti est pour l'autre côté. Ok? Et enlever l'aspect et technique qui a existé, et l'aspect et diplomatique qui existait sur comment et gestion en fait là. Alors nous constatons un non-État, ok? Parce que Haïti n'est pas gouverné. Et Ariel Henry, ça fait longtemps qu'il a descendu canson en Haïti. Et M. Gimboade Banani, parce que le grand pile blanc qui a supporté le Puyo Kaza Haïti. Donc, pour lui-même, lorsque il a adressé le problème et Rivière Massacre, le canal sur Rivière Massacre, et ce n'est pas lui-même, c'est la population de Wanamet. Donc, gros problème là. Et alors, moi-même, j'ai toujours dit, si là, à Foufeuille, 20 000 personnes déménagées à chercher refuge, l'autre côté, il envahit toute l'école, il envahit toute santé éducative, yon, tout côté, toute place, ok, pour y chercher refuge. Pendant que Gola puis a tombé, bon là bas la pas augmenté puisque y a essayé réouvrir l'école, mettez moun yo dehors, ok, donc yo déplacé problème, ta foufeu là, ok, pour y voyez, on va la mettre soit fait canal Rivière Massacre puisque tout le monde c'est à faire canal sur Rivière Massacre là que y a parlé. Maintenant Ariel très et content, puisque il va dans un, ok, rivière fait, c'est Bali, ok, et le homologue dominicain lui-même a pas pression, parce que lui-même l'a défendu un aspect technique sous canal là. Et puis Ariel même dit, c'est Bali, c'est population là maintenant. Et où est ma matin encore, on attend des ingénieurs qui ont parlé, des architectes qui ont parlé, des plusieurs mouns qui ont parlé, et il y a plusieurs discussions sur la façon de faire. Mais le fond est correct. Le fond est légitime. Son rivière transfrontalier lié, il appartient aussi bien à Haïtien que l'appartenir à Dominicain. Bon traitement qui fait sous ça. Il y a différents traités qui signent sous ça. Okay? Donc nous supposons respecter ça, signé, puisque pas oublier dans la Constitution, je jure de respecter et de faire respecter la Constitution et tout traité. Et bien, accords internationaux que nous avons signés. Donc, Nations Unies ont un document sur les cours d'eau transfrontaliers qui existaient. Et ils ont toujours insisté que lorsque les bagages pour adresser, il faut une commission, il faut une entente, et puis il faut que les soient faites de façon correcte. Okay? Donc, ce n'est pas égalitaire. Et j'en pour traiter là. Ce n'est pas parce que Dominicain a 11 prises bleu sous rivière que vous même faut 11 prises bleu. Pour t'as 12 même, j'en venais le dire. Ok? Et ce n'est pas une question d'égalité. C'est une question d'équitable. Il faut
et travail la fête de façon équitable. Faut partage et ressources équitables. Alors c'est comme si nous d'abord on regarde un match football, gon mi devant et puis ou même comme on mesure 6 pieds, on regarder mais si mon nan mesure 4 pieds pas carré match là. Donc ou même pour le cas équitable, faut mettre ton tabouret 2 pieds pour lui pour si mon nan monter sous tête tabouret là pour regarder match à tout. Même j'en vois. OK? Non, si c'est pour égalité au ballon place, mais si c'est équitable, il faut le même hauteur pour le carré balle. Oui, mais la population en Afrique, même qui seulement, il y a un seul canal, il y a une seule branche. Donc, nous, on est d'accord. Ou même selon nous-mêmes, est-ce que l'État société continue avec seule branche ça ou l'État société grand budget? Bon, alors, il faut me dire que la rivière de Dabonne, que vous venez de la rivière du massacre là, il prend sa source en République dominicaine. Elle pique au Kissassa à 1200 mètres d'altitude. Et c'est le. Rivière la Abdesson, l'entrée sortie sous frontière, Livine on rivière internationale, si vous voulez, frontalier, qui supposé appartenir ni à Haïti ni à la République dominicaine. Donc, qu'est-ce que ça en rivière poté? C'est débit glo. C'est combien de mètres cubes glo qu'on a gagné par seconde qu'on a traversé. Ok? Et si côté rivière arrivé à, on suppose, on a actuellement 3 combien mètres cubes, eh bien, il faut que. Si on gère de façon équitable, il faut qu'il y ait 1,5 mètre cube car sous bois Haïti, 1,5 mètre continue couler sous bois dominicaine. Ok? Alors, il faut dire que, quelle que soit la rivière, et même Jean le fleuve Artibonite qui prend sa source dans le Cibao, il y a plusieurs rivières qui alimentent le fleuve Artibonite. L'Estère, c'est une. Et Guayamouk sont l'autre. Et alors, il y a un bras gauche, il y a un bras droit, il y a plusieurs rivières. Qui renforçait fleuve Artibonite là pour que le café central hydroélectrique artificiel Pélig là ramasse de l'eau pour qu'on fait tourner tubino pour qu'on gagne courant. Maintenant, la République dominicaine sous fleuve Artibonite là, il prend un pile branchement déjà oui, pour faire arrosage, irrigation, terre palée. Okay? Mais comme il y a l'autre rivière qui, ça veut dire les affluents, qui rentrent dans le fleuve là, qui vient augmenter le débit de l'eau, qui fait que le quimbon constante, eh bien, rivière Massacre, c'est même bagaille. Nous avons deux gros rivières qui alimentaient rivière Massacre pour augmenter le débit de l'eau. Maintenant, l'on a regardé le phénomène, son projet canal sur rivière Massacre qui datait depuis de 10 ans. Depuis de 10 ans. Donc, on a pris une décision peuple prendre pour. Bon, c'est écoute, même solidaire. Parce que faut que. Et à la forme de l'élan patriotique, ça, son bagage que nous avons cherché longtemps. Je ne veux pas oublier que le peuple haïtien, c'est un peuple qui a été zombifié. Finalement, ils ont joué un leitmotiv. Que yo taché sous li odou ouais pas ouais quand elle l'a fête quand elle l'a pas campé donc yo cherchons bagaille pour accrocher malgré ouais le non état l'absence de l'état haïtien et c'est la belle là où, normalement d'après traité Nations Unies OK d'après accord qui signé ou supposé gain deux l'état yo campé une commission dominicaine une commission haïtienne yoshita yo discuté yo d'accord yo présenté plan yo mais ça nous va le faire et puis bagarre la fête de façon équitable par l'état il y a pas d'état haïtien ou gagne un nèg là que on tweet mette il s'en fout pas mal OK qui t'a mêlé bondali puis mal passé préval OK donc il s'en fout et ouais monsieur pas jambe dit tweet et il n'est pas intéressé de Josh Dou, c'est mon Wadamet qui a fait canal. Mais si Jovenel Moïse, qui a fait canal là, discussion TPT déjà, échange, commission yon fait, et puis yon fin font accord, ok, yon dou, mais qui sa quoi le fait? T'es bon, on a quoi que signé entre Saint-Domingue avec Haïti, les Jovenel Moïse, t'es président. Même si le surlendemain, yon dou, yon petit bagay qui pas pour fin clé dans l'affaire. Mais, et l'on fait gestion de conflit. C'est autour d'une table. Nous finissons par chita, nous discuter, nous d'accord, et puis nous avançons. Mais pas rien à faire comme si nous avons un groupe. On est côté d'un pourri car comme la rivière du massacre. Et nous tous connaissons dans l'histoire, nous, un massacre qui était fait. C'était le massacre de Pelé Hill. Côté que le gouvernement dominicain était tué, assassiné, plus. De 30 000 concitoyens nous. Et ça t'est fait. Et parce que tu as couru des mondes noirs en République dominicaine. Et on est Perehil qui veut dire persil. Et haïtien ont difficulté pour te prononcer en espagnol. De pour prononcer le mal, je dis ça haïtien.
yo coupé tête tout et glo dans rivière massacre là té coulé tous avec 100 peuple haïtien. Bien sûr et té gon accord vinn fait bon dédommagement que République dominicaine té bay moi près sous Vincent. Moi té bay $6.50 par tête moun que yo té coupé dans rivière ça. Donc on $250,000 té bay dans le palais national qui té ka clore et problématique ça. Donc rivière massacre et vinn pote non rivière massacre c'est suite à massacre ça que yo té fait.